Shalom Bracha. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée pour les attachés pour la collection des dons pour le collège d'Avrichim de Côte-Saint-Luc. J'ai beaucoup admiré et aimé la carte Keep the Flame. C'est-à-dire, il faut maintenir la flamme. On vient de recevoir la Torah cette semaine. Cette Torah qu'on a reçue il y a 3500 ans. Et le plus important, c'est keep the flame. Garder la flamme. C'est très beau ça. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, la Torah, elle existe encore. Regardez comment les nations n'existent plus aujourd'hui. Because they keep the flame. Ils n'ont pas gardé la flamme. Parce qu'ils n'avaient pas de flamme. Ils n'avaient pas de Torah parce qu'ils n'ont pas voulu la recevoir. Mais nous, on a dit Na'ase v'nishma. Le fait qu'on a dit Na'ase v'nishma. Et nous tous, on était là-bas présents. Vous aussi, les gens de Côte-Saint-Luc et les gens du monde entier, ils étaient présents. Ils ont dit Na'ase v'nishma. Alors, Baruch Hashem, voilà, ce Na'ase v'nishma, du maintien jusqu'à maintenant, on a traversé des Shoah, on a traversé les deux destructions du Temple, on a traversé des problèmes pendant tous les xérotes que Am Israël a eu pendant, depuis la destruction de Beit HaMikdash, le premier et le deuxième, jusqu'à maintenant, on est là encore. Non seulement qu'on est là, on est parti de des endroits où jamais il y a eu la Torah. Comme l'Amérique, le Canada, comme l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, jusqu'à la fin du monde, Alaska, keep the flame, gardez la flamme. Je suis très certain que, Be'ezat Hashem, nous allons pouvoir garder la flamme jusqu'à ce que Mashiach vienne. Je suis très fier et très content. Il y a 20 ans, Boslav Minoliel Chalita, il est venu me voir, je me rappelle, me dire à Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez si on ouvre un kollel à l'époque, qui s'appelait Shuva Israël. Je lui disais, plus belle chose des choses. À l'époque, qui pouvait rêver d'avoir un kollel comme ça? Qui, 20 ans plus tard, Baruch Hashem, voilà, on est là. Et j'étais toujours derrière Ouliel, le conseiller. Et Baruch Hashem, il a à ses côtés le Rosh Kollel, Rabat de Shalita. J'ai beaucoup connu son père, un tzaddik. J'étais jeune encore à l'Eshiva de Saint-Valand, lorsque lui était à Avrech. Je me rappelle même lorsque il venait de se marier, il y a longtemps. Enfin, ça me rappelle ma jeunesse. Et déjà a été connu à Sunderland, l'un des Elohim du collège de Sunderland. Et voilà, Baruch Hashem, ses enfants, ils suivent les chemins. Et Baruch Hashem, le collège, avec sa présence, il a donné une nouvelle formule au collège. Bien sûr, avec l'aide de toute la communauté. Alors, s'il vous plaît, Be'ezat Hashem, soutenez la flamme, qu'elle continue. Qu'elle progresse. Bisrot Rabbechim Pido Akashvaoku, il aide tous ceux qui aident. Et surtout, Metoya, vous avez un terrain, vous allez construire si Dieu veut. Et c'est très important, très très important, de maintenir la flamme allumée jusqu'à Mashiach. Et lorsque Mashiach va venir, vous allez partir avec le nouveau collège qui va être construit. Be'ezat Hashem, je souhaite. Il envoie la réponse chez les mains à tous ceux qui sont malades avec le corona et que cette épidémie-là du corona, Be'ezat Hashem, il y a ce qu'on appelle Keter Torah, la couronne de la Torah, et il y a la corona. Alors que la Keter de la Torah, la couronne de la Torah, et va Be'ezat Hashem, et va annuler, faire disparaître ce virus. Covid-19,
Et puis, je vous remercie de vous avec moi, Mekka Hatzon. Bonne chance et à bientôt. Au revoir.